Le jingle est absolument magnifique. Bonjour à tous. Nous sommes en direct du Nice Fiction, 6e édition, édition 2.0, édition un petit peu spéciale, étant donné les circonstances sanitaires un petit peu particulières, comme tout le monde sait. Je suis actuellement en direct avec Guillaume Tavernier. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent, bonjour à Donc, tous. nous allons être ensemble le temps d'une petite heure. Nous allons parler de toi, de qui tu es, de ce que tu fais. Donc, tu es un illustrateur spécialisé dans la cartographie. Tu as fait du JDR, tu es toi-même rôliste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît? Oui. Donc, je suis Guillaume Tavernier. Effectivement, dans le milieu du jeu de rôle. Je suis arrivé dans le milieu du jeu de rôle il y a peut-être maintenant 3 ou 4 ans en tant que dessinateur parce que j'ai proposé des dessins que je faisais. Et comme tu le disais, c'est effectivement énormément des dessins c'est des cartes, des plans. Voilà, et c'est comme ça que je suis un peu connu dans le milieu du jeu de rôle. Et c'est surtout autour de ça que tournent mes productions. Donc voilà, maintenant je suis dessinateur, donc je suis illustrateur, mais j'ai aussi créé une maison d'édition qui s'appelle The Architecture Art, dans laquelle je publie en fait ce que j'ai envie de dessiner. C'est ça qui est vraiment chouette d'avoir les deux casquettes, c'est que je suis dessinateur et éditeur. Je suis le dessinateur de ma maison d'édition, et donc j'ai pas trop à m'embêter parce que comme c'est moi qui décide quoi éditer, j'édite ce que j'aime moi dessiner. Et donc ça, c'est vraiment appréciable par rapport à des travaux de commande, ce genre de choses où des fois on fait des choses qui nous plaisent pas toujours. Et ce qui est bien, c'est que heureusement, ce que j'aime dessiner, il y a un public. Parce qu'il pourrait ne pas y avoir de public. Je pourrais aimer dessiner des choses et puis pas réussir à les proposer ou à les vendre parce que ça intéresse personne. Et là, on s'aperçoit que les plans et la cartographie dans le jeu de rôle, ça plaît beaucoup, surtout que je suis cantonné pour l'instant beaucoup dans l'heroic fantasy. Et ça parle à beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. D'accord, c'est vrai que qui parle de jeu de rôle parle essentiellement de la référence du milieu, c'est-à-dire Donjons et Dragons, donc qui est vraiment l'heroic fantasy pure. Et c'est vrai que du coup, qui s'avance dans un donjon ou dans une ville aime bien se repérer par des éléments visuels et tout ça. Et c'est là que toi, tu entres en jeu pour illustrer tout ça et un peu orienter l'imaginaire du groupe de C'est joueurs. ça. C'est ça, exactement. Alors, les dessins, chez des Architecture Art, c'est des dessins, mais il y a aussi des textes. Donc, moi, je ne suis pas auteur, donc je travaille avec des auteurs qui font les textes pour aller dans les livres. La plupart du temps, c'est souvent des travaux. Alors, maintenant, les auteurs avec qui je travaille, ce sont des amis, hein, il y a Laurent Buquet, Jérôme Gourjon, Alexis Flamand, Christophe Valla. Donc voilà, ce sont toujours les mêmes auteurs avec qui je travaille. Maintenant, on est tous devenus amis. Et souvent, c'est moi qui ai une envie. En fait, j'ai envie de dessiner quelque chose. Je ne sais pas quoi mettre autour. Et donc, je propose des dessins. Par exemple, là, c'est comme ça que ça a été construit. J'ai construit une ville complètement. Alors là, je l'avais construite en 3D, en plus, je l'avais modélisée sous un logiciel, tout ça. J'ai construit une ville que j'ai dessinée, je l'ai imaginée par quartier, voilà, ce genre de choses. Et puis, j'ai demandé à Laurent, en fait, qu'est-ce que ça t'inspire? Je te fournis des dessins et toi, tu écris des textes autour. Et ça, c'est hyper confortable pour moi parce qu'en fait, je dessine ce que je veux. Alors, bien sûr, de temps en temps, il y a des modifications. Je reprends mes dessins parce que ça correspond pas tout à fait ou Laurent a d'autres idées qui viennent enrichir encore ma ville. Donc, je rajoute des choses. Et en fait, je travaille comme ça avec tous les auteurs. Avec Géraud, c'est la même chose. C'est un jeu de ping-pong. Je lui envoie un dessin, il fait un texte, il me renvoie son texte. Je redessine quelque chose. Donc, voilà. Et ça, c'est hyper agréable et c'est pour ça que voilà, c'est un peu particulier. Le fonctionnement de la maison d'édition est un peu particulier.
bien pour ça. Oui, non, mais en fin de compte, tu fonctionnes un peu sur la base de la confiance avec donc tes amis auteurs et tout ça, qui fait que toi, tu as Oui. beaucoup d'idées visuelles, tu discutes de projets avec donc ces autres auteurs, et en fonction du déroulement du scénario, des intrigues et tout, ça peut amener des nouveaux lieux que du coup, toi, ça te donne matière à faire encore plus pour agrandir, pour étoffer un peu les cartes que tu fais déjà. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. En plus, ici, là, donc les parutions chez The Architecture Art, au début, on a construit Tahala avec Laurent, ensuite on a construit Longueville, mais au début, tout ça, c'était des endroits qu'on avait envie d'écrire, que moi j'avais envie de dessiner, mais il n'y avait pas de fil conducteur. Tout ça, c'était très générique, et on pouvait prendre l'île de Tahala et la mettre dans le monde, dans son monde à soi, Longueville, la même chose. Et puis au fur et à mesure, on a eu besoin de créer un lien. Et donc on a construit en fait tout notre univers. Donc maintenant toutes les parutions de Architecture Art sortent sur un seul et même continent. Donc tous les livres qui sortent, eh bien, sortent sur le continent d'Austerion. Et Austerion, qui est un vaste Le fameux. continent, voilà le fameux continent d'Austerion, eh bien, il est en train, au fur et à mesure, de s'étoffer. Et on décrit des lieux, des endroits, des villes, à travers des livres, à travers. Et donc, ça, alors, dans chaque parution, on reste très vague, parce qu'on ne veut pas un historique. Pour l'instant, l'historique du continent d'Austerion, il n'est pas écrit. On écrit l'historique d'une ville, on écrit l'historique d'une région, on écrit. Mais il n'y a pas d'histoire du continent d'Austerion parce qu'on veut que les joueurs puissent se l'approprier très facilement. On veut que les joueurs puissent prendre Austerion et se disent, bah, moi j'ai envie de le faire jouer dans les royaumes oubliés, et bah, je le mets un peu plus loin, ou j'ai envie d'accrocher ça avec la élite, par exemple, et bah, ok, Austerion, c'est beaucoup plus loin, et la élite, c'est une ville. Voilà. Il faut qu'Austerion ce soit. Il faut que les meneurs de jeu puissent le prendre et le mettre dans le système de jeux de rôle qu'ils veulent. Donc voilà, c'est un peu le challenge. Et c'est pour ça que d'écrire. En fait, on fait des focus sur Austerion et on décrit des petits lieux. Et c'est comme ça qu'il prend forme. Et c'est surtout comme ça qu'on imagine que les joueurs peuvent se l'approprier très facilement. Parce qu'il n'y a pas un historique très fort derrière qui plomberait tout et qu'on ne pourrait pas faire matcher avec l'historique de la élite, par exemple. Ou voilà, bon, c'est le petit truc. Donc, c'est ça aussi. Pour les auteurs, au fur et à mesure que les parutions sortent, on est en train de créer des liens entre les lieux, on est en train, bon voilà, tout ça c'est en train de se tisser au fil des parutions. D'accord, donc en fait, avec ton continent d'Austerion et l'île de Tahala et tout ça, en gros, tu mets à disposition des endroits clés qui ont un petit peu leur propre descriptif et tout ça, pour que le maître du jeu puisse se servir de tous ces éléments pour faire un petit peu sa propre histoire et son propre univers bâti autour de tout ton univers visuel. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc il n'y a aucun système de règles, c'est-à-dire que ce sont vraiment des cadres de campagne, il n'y a pas de système de règles associé. On propose à chaque fois des scénarios, et puis des petites amorces de scénarios pour que bien on puisse venir piocher des histoires et créer ces histoires. Mais les règles et le système de règles, c'est au meneur de jeu de s'en occuper, et c'est à lui de venir avec son système préféré, celui de l'œil noir, les oubliés, Donjons et Dragons, peu importe. Un système qu'il aime et il s'approprie nos lieux et nos endroits. Donc voilà, on crée des architectures art, on ne crée que des cadres de campagne. Voilà, c'est très vaste. Sauf, enfin, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais sauf avec Adventure in Austerion, où on a commencé à faire un jeu avec un système de règles, parce que là, on en avait besoin. D'accord, et puis en fin de compte, c'est vrai que dans la mesure où ton île de base donc s'est étoffée de plus en plus, avec tes amis auteurs, ça a aussi généré des idées d'histoire et de background et tout ça, donc c'est un peu aussi votre propre univers que vous avez vous-même étoffé et que vous en avez fait vous-même quelque part une campagne. C'est ça, exactement, exactement.
Là, par exemple, Tahala, donc j'ai pris les îles, et Tahala, c'était donc une île. Donc ici, on a une île. Une île, c'est très facile à placer sur n'importe quel coin. Enfin, dans une île, c'est très facile à placer, quel que soit le qu'on utilise. Ensuite, on a eu, il y avait une ville qui était ici, c'est une caravane itinérante. On a des bosses qui étaient là. Et tous ces petits lieux, on est en train. Au début, ils étaient seuls, et on commence à créer des liens. Par exemple, le dernier projet qu'on a fait là, qui s'appelle Brume, dans nos livres là, on parlait de temps en temps de ce qu'on appelait les mages. Il y a eu une époque sur Austerion. Sur Austerion, il y avait des mages qui étaient présents sur le continent. On en dit très peu, on dit très peu de choses, mais au fil des parutions, on en parle un petit peu, on délivre quelques petits secrets, pourquoi ils étaient là. Et dans le projet qu'on a fait en financement participatif, le dernier, qui s'appelle Brume, eh ben, on commence à donner quelques clés, et on va expliquer pourquoi les mages étaient sur Austerion. Donc voilà, petit à petit, ce continent est en train de se construire. D'accord, et ça Et existe depuis combien de temps, tout ça? Excuse-moi de te couper. Ça non, non, existe depuis vas-y. combien de temps, donc l'île de Tahala et toute tout le folklore d'Austerion, tout ça? Ça existe depuis combien de temps? Ça a 3 ans. En fait, Tahala, il a 3 ans. Donc, en 3 ans, la maison d'édition, la D Architecture Art, on a fait Tahala 3, 4, 5, 6. On a fait 6. On a sorti 6 choses, enfin 6 livres, 6 univers, parce que c'est pas toujours des livres. En plus, on varie les formats. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que, ben, je sais pas, ça paraît moins. Ah, je trouve pas le mot, mais c'est Bah, moins. en fin de compte, c'est en fonction de ta propre inspiration qui fait que c'est pas forcément obligé que ça sorte sous forme de livre de règles ou de suppléments C'est ça. qui voilà. Donc ça peut sortir aussi sous forme de bande dessinée ou C'est ça, ouais. Alors, on n'en a pas encore fait, mais j'aimerais bien. Alors, une bande dessinée pas complète, peut-être pas, mais faire une introduction à bande dessinée, partir sur autre chose. Donc, là, ici, j'ai présenté des livres. Ça, ce sont des livres classiques. Mais par exemple, Bors, qui est ici, la seigneurie de Bors, on a fait une présentation qui était un peu audacieuse, c'est une présentation que par fiche. C'est-à-dire que ce sont que des fiches qui présentent des lieux, ce sont des doubles fiches. Et on présente un lieu, et puis on présente ici dans les encadrés, ce sont tous les secrets du lieu. Et ça, c'est les fiches pour le meneur de jeu, avec tous les secrets. Et ça, ce sont les fiches pour les joueurs. Ça veut dire que le lieu qu'on va visiter, eh bien, il est ici en neutre. Et ça, le meneur de jeu, il peut poser ça au milieu de sa table. Et il dit aux joueurs, ben voilà, vous arrivez ici. Et le meneur de jeu, de son côté, il a la fiche avec tous les secrets qui vont se passer sur ce lieu, que les joueurs ne connaissent pas. Et donc, là, ce format de fiche, en magasin, étonnamment, ce coffret de Bors, là, en magasin, il fonctionne, mais pas tant que ça, parce que, on a besoin d'une explication pour savoir comment ça fonctionne. En convention, il marche vachement bien parce que dès qu'on explique à des meneurs de jeu comment on l'utilise, et ben en fait ça marche bien parce que là il y a du matériel à partager avec les joueurs et le meneur de jeu. Alors qu'un livre, eh bien un livre, ça se partage beaucoup moins facilement. On n'a pas envie de le mettre au milieu de la table parce que ben, les joueurs de jeux de rôle, ils ont les doigts gras, ils vont faire tomber leur café, ils sont sales, ils font toujours n'importe quoi autour de la table. Donc le livre, on n'a pas envie trop de le partager. Et puis, ben, voilà, une fois que je joue le livre avec les plans, à côté, il y a les textes. Alors que le système de fiches, on pense que c'est l'outil ultime à partager avec les joueurs parce que bah, c'est complètement indépendant, ça se pose au milieu de la table et là tout le monde peut en profiter. Donc ça, D'accord. on va continuer à le développer. Ouais. Oui, c'est vrai On que va c'est continuer. deux manières différentes de jouer. Quand tu me dis tout à l'heure que tu es en convention, c'est vrai qu'il y a en général un MJ qui est déjà familier du système avec du matériel. Alors que si moi je vais avoir le jeu à la maison, c'est vrai qu'il va me falloir un peu plus de matériel pour être moi-même déjà à l'affût de tout cet univers. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben,
Le truc des conventions, voilà, on a le temps de partager, j'ai le temps d'ouvrir un coffret, d'expliquer au meneur de jeu comment utiliser les fiches, comment et donc bah ça tout de suite, bah voilà, dès qu'il y a des explications, c'est plus facile. Alors que dans un magasin, quand on a le coffret, on voit des fiches dedans, on se dit mais comment ça marche, comment, à quoi ça sert, voilà. Mmh. Alors qu'un livre, bah, on peut l'ouvrir, le feuilleter. Voilà, le coffret, il mérite quelques explications, mais on espère qu'au fur et à mesure, enfin, quand on refera des coffrets, une fois que ce format bah, sera rentré un peu dans les mœurs, on espère que voilà, les gens vont pouvoir se l'approprier plus facilement. Mais enfin voilà, le coffret de bord, il marche bien parce que ça plaît et que c'est quelque chose qu'on peut partager. C'est ça qui est aussi important de partager. Oui, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, d'après les petites recherches que j'ai faites, c'est vrai que pour l'instant, ton jeu marche plutôt pas mal. Tu es quelqu'un d'assez réputé dans le milieu. Donc, dans la mesure où il y a d'autres produits qui sont liés à ça avec ton nom d'estampillé, c'est vrai que ça affûte un peu la curiosité de ceux qui te suivent déjà sur ce que tu avais fait d'avant. Donc, ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, à chaque fois, ça met toujours un peu la pression parce que le premier projet que j'ai sorti, je l'ai sorti les mains dans les poches en me disant bah, je vais faire un truc, tout ça. Et puis, bah, quand il y a des gens qui achètent et que les gens continuent à acheter, bah, avec les auteurs, on le voit, hein, on se dit mince, faut pas qu'on se loupe parce que bah, y a des gens qui nous font confiance, on essaye de faire des produits qui sont sympas, on essaye de faire des choses. Donc voilà, à chaque fois, on se lance des défis avec les auteurs pour faire des trucs toujours un peu mieux édités, toujours un peu. Mm-hmm. Parce que j'apprends aussi au fil du temps, il y a des choses que j'apprends un peu sur le tas, les auteurs aussi. Enfin voilà, on construit tout ça tous ensemble. Ouais. Et donc au fur et à mesure, on essaye de proposer des choses de plus en plus sympas sur des formats complètement différents à chaque fois. D'accord. Donc en fait, vous avancez tous ensemble un petit peu les mains dans la main. Et est-ce que vous êtes aussi donc par rapport à ce que tu me disais, les défis que vous essayez de relever, est-ce que vous êtes aussi à l'écoute de votre communauté par rapport aux attentes qui peuvent naître de ce qu'ils ont déjà connu, par exemple un groupe de joueurs qui pourrait se dire ah ouais mais ça c'était bien, j'aimerais en savoir plus ou sur telle région ou sur telle faction, comme par exemple tu me parlais des mages. Ouais. Alors sur les En fait, sur le monde, bizarrement, on n'a pas tellement de retours. On n'a pas tellement de retours de ce type-là. Des fois, il y a des gens qui nous remontent des choses ou qui pourraient dire qu'ils ont bien aimé telle chose, tel truc. On n'a pas de demandes dans ce sens-là. On a des demandes sur le matériel. Mmh. En fait, des plans à partager. Ça revient très souvent, en fait, pouvoir montrer aux joueurs, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. On a aussi eu pas mal de remontées, mais ça se fait de plus en plus dans le milieu du jeu de rôle pour partager les livres. C'est les livres à spirale. Un livre à spirale, on peut isoler qu'un dessin et montrer ce dessin-là, alors qu'un livre relié classiquement, bah, on peut pas complètement le casser, sinon ça va l'abîmer, tout ça. Donc voilà, ça, il y a ce genre de remontées. Et sinon, il y en a une qui revient quasiment tout le temps, on le voit sur les financements participatifs, c'est les PDF et aussi des JPEG pour jouer sur table virtuelle. D'accord. De plus en plus, alors là, avec le confinement, on l'a eu… Alors là, ça a explosé. Ouais. Voilà, exactement, ça a explosé complètement. Il y a eu énormément de parties qui ont été jouées sur table virtuelle. Mmh. Et ça, maintenant, sur un financement, on est obligé de… En plus, moi qui fais des plans… Ce serait dommage de pas donner les plans en PDF. Alors, d'Architecture Art, les PDF ils ne sont disponibles que pendant les financements participatifs. Ouais. Après, je ne les mets pas en vente. Pour tout un tas de raisons. D'accord. Je ne sais pas très bien les gérer. Je ne sais pas faire de marqueurs. Il faudrait que je m'associe à DriveThru, RPG ou BlackBook Edition. Voilà. Bon, je ne sais pas faire de marqueurs de marqueur sur mes PDF. J'édite des livres et je ne suis pas, à titre personnel, un grand fan du PDF. Donc, je trouve que, en fait, ce que je crée, ça a du sens dans un livre. Mais ça n'a pas tellement de sens dans un PDF. Bon, mais c'est mon avis et il est discutable. Mais voilà, moi, je crée des livres, c'est-à-dire que ce système de fiches,
Eh ben, il existe et il a de l'intérêt parce que c'est des fiches, c'est dans un coffret et ça sent l'encre. Donc voilà. Mais pendant mes financements, tout ça, je le donne en PDF parce que je sais qu'il y a une grosse communauté qui joue sur table virtuelle. Donc D'accord. c'est important de leur proposer. Bah, le fait que tu préfères toi-même le format livre plutôt que le PDF, c'est vrai que ça se discute, ça se respecte, c'est ton choix et à partir de là, il y a pas de chichi à faire. Mais c'est vrai que dans la mesure où bon bah la technologie augmentant et compagnie, le côté numérique prend beaucoup de place qu'il n'avait pas avant. Donc quelque part, même si toi-même en tant qu'auteur et illustrateur tu n'es pas spécialement fan de ça. Bon, tu n'as apparemment rien contre le fait de diffuser tes travaux sous format numérique non plus, quoi. Non, non, c'est ça. Pendant les financements, je le fais pas après. Alors, ça ne veut pas dire que je changerai pas d'avis, parce que je pourrais me laisser convaincre. Enfin voilà, ça ne veut pas dire que je ne changerai pas d'avis un jour et que je me rendrai compte si la communauté me réclame des PDF ou des PDF et des PDF. Ben, un jour, je les vendrai sans les livres. Ça va me fendre le cœur, mais je le ferai certainement. Voilà. Bah, quelque part, Mais c'est vrai que pour l'instant. Oui, pardon. ça peut te faire une nouvelle forme de vente numérique qui serait complémentaire du format physique. C'est vrai, c'est vrai. Et il y en a plein d'autres qui le font, hein, donc c'est que ça fonctionne. Mais bon, voilà, des fois, on a peur du piratage, ça va vite, hein. Ah Enfin, oui, c'est vrai que ça, le coup des PDF qui se baladent à droite et à gauche, c'est un petit peu la hantise ouais, hein. c'est bon. Mais c'est pas tellement bon. Voilà, ça m'enquiquine toujours que ce soit comme ça distribué, enfin, qu'on les trouve sur les torrents ou ce genre de choses. Mais c'est le jeu, quoi. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais c'est plus que, en fait, je trouve que c'est un peu gâché de l'acheter que en PDF. Voilà. En fait, tout ça a été réfléchi pour être un livre et pas pour être un PDF. Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre les deux. Voilà. Mais Ah, je vois tout à fait. je suis pas complètement contre la preuve, hein, les PDF, je les donne même sur certains financements. Par exemple, sur celui-ci, Collection of Fantasy Maps, ce sont que des cartes dedans, que des plans. Et donc, au moment du financement, j'ai donné le PDF du livre, mais tous les plans aussi ont été donnés en JPEG pour que ce soit plus facilement utilisable sur les tables virtuelles plutôt que de tirer une image d'un PDF. Donc voilà, je suis à l'écoute. Voilà, je peux pas me D'accord. bander les yeux en me disant ils n'existent pas en fait des joueurs sur table virtuelle, il y en a plein, donc bah il Oui, faut aussi en prendre soin. et un petit peu satisfaire tout le monde Exactement. sans oublier pour autant tes premiers amours, à savoir le charme de tourner les pages. Ça, c'est vrai que C'est ça. le PDF remplacera jamais ça. Bon, pour ça, moi, Exactement. je suis un petit peu de la vieille école aussi. Donc, pour Toi moi, les aussi. livres, bon, pour les bouquins, par exemple, j'ai extrêmement de mal à lire sur les liseuses et tout ça. Il y en a, ça Bah, leur pose pas de problème. Bon, bah, chacun trouve son plaisir. c'est Oui, ça, voilà. exactement. Donc, Exactement. tu es aussi donc forcément un joueur aussi, et tu me disais que tu avais commencé dans les années 86-87 avec une fameuse petite boîte rouge. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle avec Donjons et Dragons. Ouais. C'est ça devait être 87, peut-être. Ouais, 87, je pense que c'est pas mal. Donc, Donjons et Dragons à l'école avec des copains. Tout de suite, on a été complètement embarqués. On a découvert un peu plus tard, on a découvert l'appel de Cthulhu. Et ça aussi, ça a été, après, en fait, ça a été des phases. En fait, j'ai pas joué à Donjons et Dragons et Cthulhu en même temps. En fait, c'est des phases. On a joué beaucoup à Donjons et Dragons, beaucoup à l'appel de Cthulhu, on a joué beaucoup à Paranoia, on a joué. Voilà, c'était des cycles. Et puis, bah, en fait, tous on a pris des routes différentes. On a grandi, on s'est intéressé à d'autres choses, les filles. Enfin voilà, enfin des fois, enfin c'est des trucs tout bêtes, mais bon, enfin voilà, les centres d'intérêt changent, on grandit. Et Fréquenter des donc filles empêche de faire des JDR, c'est vrai. on. Mais ouais, c'est ça. On était, il y a,
Mes sœurs, est-ce que j'ai joué avec mes sœurs? Non, non, non. Il n'y avait que des gars. On était que entre garçons. Bon, c'était comme ça. C'était. Et donc, on s'est séparés. Et puis, on a arrêté de jouer. Et moi, pendant très D'accord. longtemps, j'ai pu jouer. Ouais. J'ai continué à beaucoup lire. C'est-à-dire, je continuais à acheter Casus. J'achetais un jeu de rôle de temps en temps. En fait, je suis resté dans toute cette mouvance. Mais je ne jouais plus. J'étais plus un joueur. Parce que le jeu de rôle, en fait, c'était tellement associé à mon groupe de copains que j'avais du mal à faire du jeu de rôle avec des gens que je ne connaissais pas. Ou... Voilà. Le jeu de rôle, c'était le groupe de copains, les rigolades, c'était un peu tout ça, les nuits blanches. Et me retrouver tout seul, de rechercher des joueurs, d'aller jouer dans un club, en fait, je sais pas, il y avait quelque chose qui marchait pas. C'est un peu Oui. idiot parce que les copains, on se les fait. Et puis le noyau, il se recrée tout seul. Mais voilà, ça a été fait comme ça. C'est vrai que quand on est habitué à un groupe, à un certain forme d'humour ou d'échange, c'est vrai que on peut avoir l'appréhension de ne pas le retrouver ailleurs, je comprends. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage. Alors maintenant, je recommence à jouer très peu. En fait, chez Der Architecture Art, c'est pas moi le joueur. Donc j'ai joué, je sais ce que c'est que le jeu de rôle. Mais quand on me parle de narration partagée ou de ce genre de choses, je connais pas bien parce que j'ai jamais joué et je connais pas tout ça. Donc je suis pas un historien du jeu de rôle. Je suis pas un grand joueur. Heureusement. En fait, ce qui est intéressant et ce qu'il faut faire, c'est bien s'entourer. Donc, les auteurs, Géraud, par exemple, c'est un gros joueur, Alexis Flamand, Christophe Valla, ce sont des gens qui y jouent énormément, ils jouent beaucoup. Géraud, c'est un collectionneur, il a Ah oui, ça. des tonnes et des tonnes de jeux, des trucs improbables et tout. Et donc, dès qu'on parle de règles et dès qu'on parle de système et tout, en fait, je leur fais confiance, quoi. Et c'est sur eux que je m'appuie parce que moi, je ne suis pas capable de gérer ça. Moi, je gère l'aspect graphique, joli, les dessins, ce genre de choses. Et voilà, en fait, il faut savoir s'entourer de gens qui savent mieux que nous pour que ça fonctionne. Donc, Ça, il y en a c'est qui bien, ouais. savent bien mieux que moi pour tout ça. Donc voilà, pour le jeu, je fais confiance aux auteurs avec qui je travaille. Et c'est pour ça le jeu qu'on a développé avec le système de règles, tout ce genre de choses. Alors, ça reste toujours un dialogue, ça reste un travail en commun, mais c'est Géraud, donc l'auteur du jeu, c'est Géraud qui est derrière la mécanique, qui est derrière la technique. D'accord. Moi, je peux avoir un œil extérieur, le relecteur, mais voilà, pas plus, quoi. Je suis pas capable de. J'ai pas assez de D'accord. background de jeu, et surtout, j'ai arrêté trop longtemps. Ok. J'ai arrêté trop longtemps. J'ai une question pour toi de la part de Marine Gideon qui nous dit Tala et Longueville sont chacun des endroits assez exotiques, d'inspiration assez diverses. A-t-on une chance de voir quelque chose qui a une inspiration plutôt amérindienne? Ah, alors il y en a une qui a une inspiration amérindienne, c'est Talticure. Et Talticure, alors voilà, je parlais des formats, et ici on a travaillé sur un petit format souple plutôt qu'un gros livre cartonné. Donc ici on est sur un petit format souple, 70 pages, c'est Alexis Flamand qui a écrit Talticure. Et Talticure, se passe dans la jungle, et ce sont, eh bien, ce sont des gobelins. On raconte l'histoire de la jungle de Talticure, et dans cette jungle, il y a cinq tribus gobelins qui y habitent, et on explique pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Parce que dans le jeu de rôle, en tout cas moi quand je jouais à Donjons et Dragons en 90, les gobelins, c'était juste des bestioles qu'on croisait dans un donjon et sur qui on fonçait dessus avec des épées. Et Ça n'a pas là, on a changé. essayé de leur donner... Et là, on a essayé de leur donner... une consistance, ils vivent, ils ont des familles, ils ont des enfants, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, voilà, ils existent pour de vrai. Et donc, et c'est clairement d'inspiration. Alors, amérindienne, non, si amérindienne, je vais peut-être dire des bêtises, amérindienne, c'est
Indien d'Amérique, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un petit peu côté Inca, les pyramides Ah Mayas, oui, tout alors ça. c'est ça. Alors, d'accord. Effectivement, si on descend sur l'Amérique centrale et tout, là, c'était plutôt inspiration aztèque, inca. Oui, on est dans le thème. Eh bien, tous nos gobelins, ils sont décrits là-dedans. Voilà. Ils sont colorés, ils ont des plumes, ils ont des. Et donc, voilà, ça se passe dans la Ah jungle. ouais, d'accord. Donc, Ah, bien ça. voilà, ici, on vient. C'est ce qu'on essaye de faire avec les parutions. On a Tahala, c'était donc une île qui se passe. Il fait chaud, c'est un peu d'inspiration arabisante, Moyen-Orient, voilà, c'est toutes ces inspirations-là. Longueville, on est plutôt dans les grandes steppes d'Asie, la Mongolie, voilà, ce genre de choses. Ouais. Borse, on est plutôt un peu les pieds dans la boue dans un Moyen-Âge européen. Voilà, là, on est plutôt dans quelque chose d'européen. Taltikur, on est dans la jungle. Brume qui va paraître, on sera de nouveau un peu sur un Moyen-Âge européen. Et Austerion, c'est aussi un Moyen-Âge européen. On a plus de Moyen-Âge européen. Mais il D'accord. y en a d'autres, il y a d'autres idées. On aimerait bien décrire des villes, un peu des villes italiennes, un peu comme Venise, voilà, ce genre d'ambiance. Et on essaye, à chaque fois qu'on sort un produit, justement, de varier les ambiances, les couleurs, ça permet de. Bah là, les gobelins, on est beaucoup sur du vert. Tahala, c'était sur de l'ocre. Longueville, on est sur du bleu-gris. Voilà, et ça permet de faire des livres qui ont des chartes graphiques qui sont très fortes parce que bah, on prend une région et on les sort au maximum pour en refaire sortir tout ce que ça représente. Oui, non, mais c'est bien, c'est de profiter de chaque région et de tout le folklore que vous pouvez lui apporter avec Gérougé et tout ça pour faire C'est ça. de la profondeur à toutes ces factions. Comme par exemple, tu me parlais des gobelins, donc dans ces forêts typées amérindiennes et tout ça, avec sans doute des palais à découvrir, des secrets et tout ça, peut-être des rivalités qu'il y a entre eux. Avec C'est ça. là, c'est une Et source infinie de. exactement, c'est exactement ça. Là, les cinq tribus, il y a des tribus gobelins qui sont très proches de l'homme, avec qui on peut discuter, qui font du commerce, du troc. Donc, il y a des gobelins qui vivent avec les humains en bonne entente. Et puis, plus on s'enfonce dans cette jungle, et plus les tribus sont plus agressives. Il y a des secrets, bien sûr, il y a des secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'avancée, des découvertes. Donc, en fait, avec ça, on peut se faire une mini campagne. C'est-à-dire que si on prend un groupe de joueurs classiques et qu'on les emmène dans les jungles de Taltikur, on peut se faire une mini campagne. Voilà, il y a quelques séances de jeux de rôle bien sympas avant d'avoir complètement tout exploré et d'avoir compris tous les secrets de nos gobelins, quoi. Ouais, Donc, carrément, ça peut être des gens qui viendraient de cités déjà développées, qui sont déjà connues, mais qui partiraient où à la découverte? en attendant que Vinsou retrouve du son, eh bien, j'en ai pas trop parlé, mais c'était Aventure in Austerion qui va bientôt arriver en magasin. Et ça, c'était donc un jeu qui a été développé avec Géraud. Donc c'était lui qui était derrière à la mécanique. Et on est toujours sur Austerion, on est toujours sur de l'héroïque fantasy. Mais ici, on a encore une fois essayé de développer quelque chose. On est sur un jeu de rôle, sur un jeu de rôle classique, avec des mécaniques de jeu de société. Et surtout, avec un système un peu comme du dungeon crawler. Mais alors, on n'est pas sur du porte-monstre trésor à l'HeroQuest, où eh bien, c'est une succession de combats, on trouve des trésors, il ne se passe pas grand-chose. On est sur du jeu de rôle, complet, mais avec de l'exploration. Et donc, le donjon, il se crée au fur et à mesure des tuiles qu'on pose sur la table. Encore une fois, c'est du matériel qu'on peut partager avec les joueurs. Et donc ici, on a plein de tuiles. On a des tuiles de différentes tailles qui représentent différentes salles. C'est du recto verso. Et on a des scénarios d'exploration. Et ça, on vient poser ces tuiles sur la table et les joueurs découvrent le donjon au fur et à mesure.
Et c'est pas du porte-monstre trésor parce que on incarne un personnage, donc on a des prêts tirés. On a des prêts tirés qui sont ici, ça sont nos fiches de personnages. Et c'est du jeu de rôle, on a des caractéristiques, on a tout ce qu'il faut. Il y a une histoire, il y a des interactions avec les PNJ, il y a un meneur de jeu. Mais il y a des petites mécaniques de jeu de société qu'on a fait rentrer là-dedans. On a des cartes bazar, sont des cartes qu'on vient tirer quand on rentre sur une tuile pour amener de l'adversité supplémentaire. On a des cartes objets magiques, on a des cartes catastrophes, parce qu'il y a une petite mécanique un peu sympa qu'on a voulu mettre dans le jeu Adventure in Osterion. C'est un petit jeu avec, c'est un petit système avec, avec des cylindres. Donc on a des petits cylindres rouges comme ça qu'on vient poser. Quand il y a un joueur qui fait un échec critique pendant la partie, dans notre système de jeu, un échec critique, c'est un double 6. Ça veut dire que l'action est complètement ratée. Et ben dans ce cas-là, le joueur doit poser ça au milieu de la table, le petit cylindre, debout. Et au prochain échec critique, eh bien, il y a un deuxième cylindre à poser, et la pile elle va augmenter, et si cette pile elle tombe, eh bien, les joueurs doivent tirer une carte catastrophe. Et ça, ça fonctionne super bien. Ça fait flipper ça, parce que rien que d'entendre ça, j'ai pas encore testé le jeu, mais j'ai pas envie que ça tombe sur mon perso, ça. Ben oui, voilà, c'est ça. Alors en plus, la carte catastrophe, elle tombe sur le groupe entier. C'est-à-dire que les cylindres, ils se posent sur la table au fur et à mesure, mais la carte catastrophe, il va se passer quelque chose, et le groupe entier aura le malheur sur elle. Et ça, ça marche vraiment super bien. Donc on l'a fait tourner en convention déjà, ce jeu. Ça c'est l'exemplaire imprimeur. Ouais. On avait des prototypes, on l'a fait tourner en convention. Ça marche super bien parce que le stress de la catastrophe est renvoyé sur les joueurs. Et on s'aperçoit que tout le monde recule de la table, plus personne n'y touche. Quand on jette les dés, on fait très attention à ne pas faire tomber sa pile de cylindres, parce que si les cylindres tombent, et là, c'est une carte catastrophe de tirer. Et donc, ce jeu, on le veut... alors, les rôlistes avertis pourront jouer avec sans problème, ils en font ce qu'ils veulent. Les règles sont très simples. C'est des règles qui sont accessibles, très faciles à prendre en main. Et donc, ce jeu, les rôlistes avertis, ils en feront ce qu'ils veulent, ils s'amuseront avec, ou alors ils utiliseront que les tuiles. On a toujours besoin de tuiles sympas comme ça à poser au milieu de la table pour faire son donjon. Donc, des tuiles, il y en a plus de 20. Enfin, voilà, ça fait 54 lieux différents. Enfin, voilà, ça peut faire un donjon qui est vraiment très, très grand. Ouais. Mais surtout, c'est que d'avoir tous ces supports visuels pour de l'initiation, on pense que c'est vraiment... Ben voilà, on pense que ça peut vraiment bien fonctionner parce que les jeunes joueurs, quand on ne connaît pas le jeu de rôle, quelquefois, de faire un jeu qui se passe que dans l'esprit, ça peut être un peu perturbant quand on n'a pas du tout l'habitude. Et d'avoir un support visuel sur lequel se raccrocher, c'est quelquefois plus facile pour prendre la parole. Quand on pose une tuile et qu'on voit que sur la tuile, il y a un petit coffre qui est dessiné, eh bien, c'est plus facile pour le nouveau joueur, de dire « Eh bien... Eh bien, c'est plus facile pour le nouveau joueur de dire que je vais fouiller le coffre. Je regarde sous les planches. Voilà. D'avoir un support visuel, c'est bien plus facile pour voilà, on pense pour s'immerger dans le jeu et dans l'ambiance. C'est vrai que ça dépend vachement du type de joueur, parce que t'en as qui limite sont allergiques au plan et qui aiment vachement un style narratif que le MJ va décrire avec des effets d'ambiance que lui-même va faire. Et il y en a d'autres qui aiment avoir tout devant eux avec les détails de la chaise, elle est ici, la porte, elle est là. Et c'est vrai que ça peut aussi beaucoup plaire. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, on l'a eu cette réflexion en convention. On avait fait jouer, il y avait un joueur qui était autour de la table. Et il nous a dit, ah oh ouais, c'est bien, c'est super votre jeu, mais c'est pas tout à fait du jeu de rôle. Mmh. Mais en fait, si, c'est du jeu de rôle. Tu t'as un meneur de jeu, t'as une fiche, tu as. Et en fait, ce que lui supportait pas, eh bien, c'était d'être sur une tuile, et puis d'avoir un jeu très linéaire, parce que là, c'est de l'exploration de donjons. Donc, effectivement, quand on est sur cette tuile, eh ben, on peut aller soit par là, par cette porte, soit par là, par cette porte. Mais c'est tout. Et donc, c'est de l'exploration de donjons. Et lui, je l'ai senti, c'était typiquement le joueur de joueurs qui se sentait enfermé quand on lui proposait un plan et quelque chose de très linéaire. Et je peux l'entendre, hein, c'est un truc complètement. Et par
contre, des nouveaux joueurs, donc on l'a fait, j'ai fait jouer à des gens qui connaissaient pas le jeu de rôle, on l'a fait jouer en convention, à des jeunes, moins jeunes, 14 ans, tout ça. Et là, pour le coup, ça fonctionne bien. Quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle, d'avoir le support visuel, eh bien, ça lui permet de tout de suite se placer dans l'espace, voir ce qu'il peut faire, pas faire. Et ça ouvre, en fait, après, sur le jeu de rôle, plus classique, entre guillemets, parce que ce qu'on propose justement dans nos livrets de règles, c'est qu'il y a 8 scénarios, et les 7 premiers scénarios se passent sur des tuiles, c'est de l'exploration de donjons, et le 8e scénario, toute l'introduction, eh bien, c'est du scénario classique. Dans le sens où il n'y a plus de tuiles, et il y a toute une enquête à mener avant d'aller dans le donjon, qui se passe de manière classique. Ça veut dire que la boîte, on a essayé de la construire pour qu'il y ait une progressivité dans sa façon de jouer et aussi dans sa façon d'être meneur de jeu. Si on est une meneur de jeu débutant, c'est très facile d'avoir des tuiles. On présente les scénarios d'une certaine façon pour les guider. Et donc, on veut que les joueurs s'amusent avec notre jeu, mais que s'ils ont envie de découvrir un autre jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, qui se joue pas sur le plan, eh bien, notre dernière partie, elle se joue de cette façon-là. Et puis, bah, après, allez-y, faites le jeu de rôle que vous avez envie de faire. Bah, là, c'est super parce que là, c'est adapté avec le continent d'Esteron. Mais du coup, tu peux très bien faire la même chose, mais adapté à un peu près à un peu chaque type d'univers, chaque type visuel. Et là, ça peut parler à beaucoup plus de gens. Ouais, c'est ça. On pourrait. Alors après. Ça pourrait fonctionner, je sais pas, ben justement, on était sur un monde de science-fiction, ça pourrait très bien être effectivement des plans d'un vaisseau spatial qu'on viendrait explorer, ou d'une base, ou ce genre de choses. Ça pourrait fonctionner, ou de l'appel de Cthulhu, ça pourrait être des tuiles qui représentent une maison. Là, c'est vrai que dans l'Heroic Fantasy, des donjons tentaculaires, tout de suite, ça parle à notre imaginaire, et donc c'est très facile à mettre en place. Mais c'est vrai qu'on pourrait le décliner sous d'autres formes. Pour l'instant, on veut vraiment le décliner, donc on attend que la boîte sorte en magasin. On va voir comment elle est accueillie par le public, ce que les gens nous demandent. Est-ce qu'ils veulent plus de tuiles? Est-ce qu'ils veulent plus de scénarios classiques? Est-ce que le système de cartes qu'on nous propose, ça fonctionne? Alors, dans l'absolu, ça ne s'adresse pas au même type de public que les rôlistes purs, parce que là, ça s'adresse plus à des fans de jeux de plateau. Même s'il y a des éléments de JDR. Ouais, alors, c'est ça. Alors, tu fais bien d'en parler, Vincent. Tu fais bien d'en parler parce que c'est exactement ça. On a essayé de faire une passerelle. C'est compliqué de faire une passerelle et il y a plein d'autres jeux qui le font très bien dans le jeu de société. Il y a de plus en plus de jeux de société narratifs qui existent. Voilà. Nous, c'est du jeu de rôle, c'est pas un jeu de plateau. Mais on a essayé de faire du pied au jeu de plateau, déjà à travers nos tuiles, les cartes et les petites mécaniques de jeu de plateau qu'on met en place. Mais aussi, c'est que ce jeu, il peut se jouer en solo. Il peut se jouer en solo et il peut se jouer sans meneur de jeu. Ça veut dire que la façon dont on a créé nos scénarios permet de faire ça. Donc, j'ouvre. Voilà, ici, par exemple, on a une tuile. Et toutes les tuiles sont décrites à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Il se passe quelque chose, si jamais je réussis pas ou si jamais je passe pas le challenge, il se passe ça en vert ou il se passe ça en rouge. Et ça implique des choses. Et donc, ça, pour un meneur de jeu, eh ben, c'est super parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. Et ça, on a pu le mettre en place parce que c'est sur des tuiles. Et donc, sur une tuile comme ça, on sait que là, il y a un piège, là, il se passe ça. Et donc, sur des tuiles, c'est très facile puisque c'est très linéaire. Donc, on a pu décrire des scénarios de cette façon-là. Mmh. Et la façon d'écrire le scénario nous a aussi permis de le faire jouer en solo. On peut être tout seul avec sa fiche de personnage, 2D, et puis on lit. Et puis, si on réussit l'action et si on réussit, on va là. Alors, bien sûr, c'est moins riche. Comme il n'y a pas de meneur de jeu, on ne peut pas dialoguer avec les PNJ, on ne peut pas... Voilà, toute la richesse d'un jeu de rôle et toute la liberté d'un jeu de rôle, elle existe. C'est la cohésion de groupe. Et on peut surtout, pour un meneur de jeu débutant, découvrir son scénario seul. Et une fois qu'on l'a bien compris et qu'on connaît les tenants et aboutissants du scénario, on appelle ses copains et puis on les fait jouer.
Et ça aussi, ça peut être assez sympa. Alors, je sais qu'il y en a, par exemple, L'Œil Noir, ils avaient déjà fait ça dans la boîte d'initiation de L'Œil Noir. Il me semble qu'il y avait une aventure dont vous êtes le héros pour expliquer comment ça fonctionnait. Donc, on n'a rien inventé, mais on a essayé de faire un emballage un peu différent de ce qui existait et un peu, encore un peu plus accessible. Et pour le On coup, n'attend pas ça. ta version solo, est-ce que c'est possible, moi, si je suis allé très avisé et connaisseur de l'univers et de ton jeu, est-ce que c'est possible que moi je puisse jouer tout seul avec un groupe de quatre personnages? Ah oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est en plus c'est la façon dont on joue au jeu, parce que justement, comme le niveau de difficulté il est fait pour un groupe de joueurs, si on joue en solo avec un personnage, on va risquer d'avoir des soucis. Et donc là, dans Ah Aventure oui, je Mysterium, pense. on incarne un groupe de personnages, et donc ça voudra dire qu'on incarnera un guerrier, un magicien, donc c'est sympa parce qu'on va pouvoir jeter des sorts et puis se battre, on va pouvoir tout faire. Mais comme l'adversité et puis comme les monstres qu'on a en face de soi ont été créés pour faire du jeu de rôle avec plusieurs personnages, c'est ça, tu as raison, on joue un groupe de joueurs, on peut jouer un groupe de joueurs, absolument. D'accord. Absolument. J'aimerais repartir sur tes débuts dans le JDR, où tu me disais que tu jouais à Donjons et Dragons. Est-ce que tu te souviens du personnage que tu as incarné de ta première classe? Ouais, et Souvenir. j'ai. C'était un guerrier. C'était un guerrier, tout bêtement. Et je me souviens de son nom. Il s'appelait Boromir. Ah ben non, je me souviens pas de son nom. Il s'appelait Boromir, donc. Comme quoi je suis pas auteur, hein. Comme quoi je suis pas auteur parce que j'avais lu Le Seigneur des Boromir, Anneaux juste avant. ça me Ouais, dit quelque chose, Boromir. c'est ça. J'en ai presque honte avec le recul. J'étais jeune. Et donc, en fait, ce personnage de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, dans le livre, il m'avait marqué. Je sais pas la façon dont il meurt, c'est tellement. Et donc, mon personnage s'appelait Boromir. Donc, c'était un guerrier dans Donjons et Dragons. Je jouais un guerrier. Dans l'Appel de Cthulhu, je jouais un professeur d'université, mais qui avait un fusil de chasse à canoncier sous son impère. Donc, c'était. En fait, je me rends compte avec le D'accord. recul que des fois, on faisait vraiment n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on rigolait? C'était. Là, pour le coup, ton professeur avec le fusil, il me fait penser à Van Helsing comme ça. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est ça. C'était. Ouais, on jouait, on rigolait énormément, mais c'est vrai que c'était pas toujours, c'était des fois du grand n'importe quoi. Mais ouais, qu'est-ce qu'on Ah a. oui, non, mais il y a plein de parties de JDR qui peuvent partir en grand n'importe quoi, mais ensuite, du moment qu'il y a toujours une bonne ambiance à Oui, c'est table, ça. des moments qu'il y a le MJ aussi qui se prête aussi au jeu et qui ne profite pas de ces moments pour un peu plomber, parce que des fois ça arrive, mais lorsque toute l'équipe ne fait qu'un, même si ça part en grand n'importe quoi, c'est ça qui, après tout, font les souvenirs que tu te rappelles 20 ans plus tard, tu te dis, ah ouais, mais C'est cette ça. partie, c'était génial, quoi. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. En fait, ce qui est très important, c'est que tout le monde autour de la table et puis le meneur de. Enfin, voilà, tout le monde autour de la table, on ait les mêmes envies. C'est vrai que si. Quand on est parti. Quand on partait en n'importe quoi, ou. Voilà, quand on s'amusait, s'il y avait eu un joueur qui, lui, voulait pas jouer de cette façon, il aurait été malheureux. Et heureusement, le groupe de joueurs, et c'est ça qui fait les grandes parties, c'est que le groupe de. On a été tous sur la même longueur d'onde, et c'est ça, comme tu dis, qui fait les souvenirs, et puis qui fait les trucs, on s'en souvient. Mais on était capable de jouer ou de se faire peur, hein. On allumait des bougies, on jouait à l'appel de Cthulhu dans le noir avec des bougies sur la table et tout, juste pour se faire peur. Enfin, Bah bien voilà, sûr, et ça c'était. marche, Oui, et oui, ça marche. Oui, ça marche. hein. C'est dingue. Des fois, juste un peu d'ambiance, et puis on réussit à se faire peur. Donc. Je voulais te poser une petite question sur le festival de Nice Fiction de cette année, qui se passe entièrement sous Salon Vocaux. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette manière de faire qui est un petit peu aussi imposée de par le virus et tout ça? Non, bien. Moi, je trouve que Nice Fiction a vachement bien rebondi parce que en fait, très rapidement, ils ont mis quelque chose sur place. Parce que, auditeurs, vous ne le voyez pas, mais les coulisses, c'est hyper bien organisé. On rencontre les gens avant, on nous donne les liens. Enfin, organisation au top. De mon côté, super. Ça se passe très, très bien. Et puis, quand j'ai vu le programme,
Voilà, je trouve que Nice Fiction a réussi à retomber sur ses pattes comme il faut, à proposer un planning énorme, parce qu'il y a tout week-end, il se passe des choses. Donc super, et je pense C'est que c'est chargé. un moindre mal. Je trouve que c'est vraiment chouette voilà, d'avoir réussi à mettre ça sur pied, parce que bah, j'imagine que ça touche moins de monde, c'est plus compliqué, c'est voilà. Mais ça a le mérite d'exister et super. Bah, c'est vrai que d'un côté, ça touche moins de monde parce qu'avant, Nice Fiction, ça a toujours été local, donc on avait des gens de la région. Mais là, on peut toucher d'autres. Un autre C'est type vrai. de monde, parce que là, quelqu'un qui habite à Brest, à Paris, à Lille, ben, s'il Ouais. veut rencontrer, s'il veut participer à des jeux ou quoi, ben, pour le coup, il peut, alors qu'avant, il pouvait pas. Donc, c'est une autre approche. C'est, Non, t'as raison. Et puis en plus, oui, t'as raison. Parce qu'en plus, si les lives sont disponibles ensuite un peu après sur YouTube ou Facebook, ou qu'on peut les regarder encore pendant quelques jours, ou je ne sais pas ce qui va être mis en place, bah effectivement, non, ça va toucher plus de monde et le bouche à oreille. Donc, Oui, non, non, là, c'est sûr qu'on est tous les deux en direct, mais ensuite, ça sera disponible sur la chaîne de Nice Fiction en différé. Donc, c'est ça. pour celui qui travaille ou quoi et qui veut voir et qui est fan Exactement. du continent d'Ostéron et qui veut voir ton interview plus tard, il pourra Découvrir le truc. facilement le voir ce soir quand il va rentrer à la maison. Bah ouais, donc non, 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 super, super, et organisation au top, vraiment. Super, bah écoute, ça m'a fait plaisir d'avoir cette entrevue avec toi, Guillaume. On en Moi arrive aussi. au terme de notre petite heure. Est-ce que tu as un dernier petit mot à ajouter pour conclure cette entrevue? Non, 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 pas spécialement, bah jouer, hein, continuer à jouer. Non, non, Jouer. non, je vais dire des bêtises, je vais dire des niaiseries. Donc, Non, 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 mais non. jouer, 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 continuer à jouer, ça me va Voilà. très bien. Bon. J'aurais pas pu faire mieux. Donc, Super. tu es présent tout le week-end. Je compte sur tous ceux qui te suivent pour venir t'enquiquiner avec plein de questions. Et nous, ben, on se dit, je ne sais pas à quand, peut-être à Nice Fiction l'année prochaine en vrai. Ah oui, normalement, oui, c'est prévu. C'est, enfin voilà, avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. En plus, tu viens de loin, donc c'est que si tu viens. Ouais, je viens de Normandie, à côté de Rouen. Normandie. Je suis à côté de Rouen. On me fait signe dans l'oreillette parce que je suis en train de me faire engueuler que ça va couper. Merci Guillaume, et puis Merci Vincent. à très bientôt. À bientôt. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.